www.photonapoto.com. Les membres de la famille et tout le monde qui se retrouvent ce matin devant cette circonstance, juste un petit moment de la prière et puis nous allons donner une exhortation et après il y aura un service à faire pour avoir le temps de passer à autre chose. Inclinons nos têtes pour la prière. Éternel Dieu, tu es le maître des temps, le maître des circonstances, le Dieu créateur,
qui déjà depuis la création de ce monde avait annoncé tout ce que nous sommes en train de vivre. Il était temps que tu appelles ta fille à la maison. Et ce matin, nous avons compris que l'homme n'est pas maître du souffle de son vie, de sa vie. C'est toi qui en es le maître. C'est pourquoi nous voulons t'élever. Nous voulons t'exalter. Toi qui as les tenants et les aboutissants de tout un chacun, l'être et les mouvements t'appartiennent. C'est pourquoi nous voulons t'élever ce moment précis pour que tu continues à régner encore un maître absolu. Parce que tu es au-dessus de toutes choses. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Que l'Éternel vous bénisse pour la présence. Et au nom de la famille Hassani, nous vous saluons. Je crois que tout le monde a obéi à la parole de Dieu qui nous demande d'aller souvent dans les maisons de deuil. C'est là que chacun de nous peut tirer une leçon pour sa vie. Et là, je suis en train de lire la parabole de Jésus-Christ qui aujourd'hui est une vérité parmi notre vie. Il parlait de deux personnes. Et là, il parlait de la mort. Il est en train de parler de la vie du riche pour les lecteurs de la Bible. Chacun de nous, que ce que nous sommes en train de voir nous interpelle. Parce que la Bible même nous demande d'aller dans les lieux de deuil. Parce que c'est là qu'on peut tirer instruction. Maintenant là, c'est possible qu'on change de camp. C'est possible qu'on quitte un camp qui va nous causer des torts dans le séjour des morts pour aller rejoindre les camps ou dans le séjour des morts. Lazare n'avait pas l'argent. Lazare, il était pauvre, mais il avait une vie qu'il menait. Une discipline. Pour être correct avec Dieu. Parce qu'il était correct avec Dieu. Il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Dans leur deuxième vie. Il y a aussi un lieu où après la mort, on peut être. Là, il n'y a que Dieu qui connaît maintenant où doit se trouver notre sœur, notre tante, notre grande sœur, notre épouse. Il n'y a que Dieu qui connaît. Maintenant, cela dépend de moi, cela dépend de vous aussi, de voir quelle est la vie que vous êtes en train de mener dans le séjour ici sur la terre. Parce qu'un jour, cette vie va prendre fin et nous sommes appelés à aller dans le séjour des morts. C'est ce que Christ Jésus voulait signifier dans cette parabole. C'est-à-dire, il a pris les pauvres, il a pris les riches. C'est-à-dire, la mort n'épargne personne, même les blancs. Les Noirs, la mort n'épargne personne. Même le président de la République, même le roi. Alors là, c'est le séjour sur la terre. Mais après cette première vie, il y a une deuxième vie. Comme ce que nous sommes en train de voir. Là, il ne peut pas sentir la chaleur ou le froid. Il n'a pas tous les sentiments que nous avons. La Bible dit dans l'Ecclésiaste que c'est fini. Pas même la mémoire. Alors c'est maintenant que chacun de nous peut tirer les sangs pour qu'après ce que nous voyons, tu t'es déjà défini une vie. C'est maintenant où on peut quitter un camp des voleurs, un camp des assassins, un camp des pêcheurs pour aller dans un autre camp. Pour qu'après la mort, on se retrouve aussi tous dans le sein d'Abraham. Le riche avait tout sur la terre, mais là-bas, il manquait même une goutte d'eau. Et il demandait encore à Lazare. Il était habitué. Il pensait que comme il envoyait Lazare dans cette vie, là aussi il va l'envoyer. Mais Abraham lui a dit, c'est impossible. Parce que maintenant, il n'y a pas moyen de traverser. Mais maintenant, je suis en train de dire à tout un chacun de nous, il y a moyen de faire un mouvement. De quitter un camp pour un autre. Je crois que, à part le Saint-Esprit, il y a la conscience. Chacun de nous a une conscience. Parce que le Saint-Esprit vient pour renforcer la conscience dans chacun de nous. Là où tu travailles, là où tu es en train de passer ta vie, il y a toujours une conscience comme un être humain qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Quand ils avaient l'alliance de mariage, aujourd'hui c'est la fin.
selon que la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 7, que l'homme ou la femme est lié à son conjoint pendant qu'il est vivant. Lorsque l'un des deux meurt, il n'y a plus de lien. Et souvent, nous sommes en train de manifester cette relation par un symbole extérieur des bagues. Souvent, il y en a qui mettent des bagues. Il y en a qui ne mettent pas selon les doctrines. Mais là, pour montrer à tout le monde qu'il n'y a plus lien de mariage. Maintenant, notre bien-aimé Hassan peut se marier à qui il veut. Mais comme il est déjà dans le Seigneur, il faut qu'il se marie dans le Seigneur. La Bible délie pendant la mort. Lorsque l'un des conjoints meurt, il n'y a plus de lien. C'est pourquoi nous allons appeler le bien-aimé, l'époux. Maman Flore, et nous allons prendre aussi la bague de notre bien-aimé papy. Nous allons faire une prière pour obéir à la parole de Dieu. Je vais vous demander de venir tout de vous. S'il vous plaît. Il va s'avancer. On peut nous donner la bague de les hommes de Dieu, notre sœur est fidèle, intercesseur dans l'église de notre représentant. Nous allons faire ce service ensemble avec eux. Nous allons, s'il vous plaît. On peut nous amener la bague de qui est avec Maman Flore. Alors, aux yeux de tout le monde, nous voulons mettre fin à ces liens tels que la Bible nous demande de le faire. Je ne sais pas si c'est trop demandé. C'est devant le Seigneur qui avait institué ce mariage, qui avait lié ce mariage, qui s'était béni. Il y avait la bénédiction nuptiale. Nous allons demander à notre bien-aimé de se mettre à genoux. Pour qu'il soit libre, maintenant qu'il n'y ait plus lien avec le bien-aimé que le Seigneur vient de rappeler à la maison. Nous pouvons nous incliner. Nous inclinons nos têtes, nous allons prier pour que le Seigneur assiste le bien-aimé parti. Il y a beaucoup de choses qui vont manquer maintenant. Il sera privé des services qu'il avait de son épouse. Souvent l'Éternel, il s'est dit, les dieux pour les délier de ces liens. Prions dans notre Jésus. Tendre Père, c'est toi qui unis l'homme et la femme. C'est toi qui fais aux séparations, Seigneur. Comme tu l'avais fait à Sarah avec Abraham. Maintenant, tu l'as fait à Flore avec Hassan. Dieu est resté joint. Voilà comment nous déclarons ni l'essence de ce Seigneur. Cette alliance manifestée par la parole. Par cette alliance, une vie nouvelle se manifeste dans la vie. En enlevant cette alliance, que la vie de Flore, Njoko quitte Hassan, qu'il soit totalement libéré de toutes les influences contraires à ta volonté et qu'il essaie une nouvelle vie. Basé sur les sangs en Jésus-Christ. Éternel Dieu, tout peut passer, mais sauf ta parole. Là, nous sommes en train de la voir, en train de s'accomplir. Tu avais parlé, Seigneur Jésus, de la mort. Tu avais dit deux personnes seront sur les lits. L'un sera pris et l'autre restera. Pendant qu'ils sont vivants, il y a des liens de mariage. Mais lorsque la mort intervient, il n'y a plus lien.
Il y en a que tu déclares des veuves, des veuves, à un certain âge. Mais ça n'a pas encore cet âge pour qu'il devienne veuve. C'est toi le Dieu des veuves, c'est toi le Dieu des orphelins. Au nom de Christ Jésus, nous mettons fin à ce lien qui les lie de mariage. Et nous voulons qu'ils soient libres. Et nous les recommandons entre tes mains. Avec tout ce qui va se passer, le reste de sa vie, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que l'Éternel vous bénisse. Il peut rentrer à sa place. Merci beaucoup. Que l'Éternel vous bénisse. Nous voulons rendre le micro au modérateur. Que Dieu vous bénisse pour tout. Merci, pasteur. À présent, nous allons passer à la dernière partie de notre cérémonie funéraire. La partie des derniers hommages, le dépôt des gerbes et des fleurs. L'assistance va nous excuser. Nous allons en donner pour les autres autorités qui sont là. Merci, nous allons inviter le général Kouchoubou. On fait une musique, s'il vous plaît. Le cadre est officier. Yeah.
Madame Djoku Nyamasa au Flore a vu le jour incertain 6 septembre 1970 à Kinshasa. De l'union de M. Djoku Mata décédé et de Madame Malombolo décédée. Dès ses origines, Madame Djoku Nyamasa au Flore était originaire de la localité Mwanda, territoire de Lifunga, province de l'Équateur. Parcours professionnel à la régie des eaux SA. Après ses brillantes études, où elle obtiendra son diplôme d'État en pédagogie, elle fut engagée à la régie des eaux SA, précisément le 26 octobre 1999, où elle avait brigué les étapes suivantes. Caissière de 1999 à 2017, facturière de 2017 jusqu'à dimanche 10 juillet 2022, date à laquelle elle a tiré sa référence. Témoignage professionnel, très assidue, consciencieuse, voire même excellente, puisqu'elle n'avait pas de reproches dans son travail en tant que facturière. Elle était disponible et attentionnée dans l'exercice de ses fonctions. En tant que femme, elle se faisait remarquer par son intégrité, très souriante même envers les abonnés, abordable, douce comme la colombe et surtout très réservée. Témoignage de sa vie. En ces jours, Madame Djoku Nyamasa au Flore nous quitte en laissant derrière elle un veuf. Nous citons Papa Assani Wakitutu et une grande famille à eux tous. Nous adressons nos condoléances le plus triste. La régie des eaux SA et l'ensemble de son personnel disent adieu à Madame Djoku Nyamasa au Flore et prions le Père des Esprits, le Créateur des choses visibles et invisibles, le Dieu Tout-Puissant, de lui réserver une place dans sa félicité céleste, car Dieu a donné et il a repris. Que son nom soit glorifié à jamais. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons, avant de fermer les cercueils et de l'embarquer dans le corbillard, nous allons inviter le major magistrat Sani à rendre un hommage à lui disparu. Nous prions à quelques collègues qui sont là, comme on va trouver nos voix, pour qu'il ait un dernier hommage à son celui qui était sa compagne de tous les jours. Les magistrats qui sont là, de l'accompagner. C'est un moment très beau pour moi. Merci aux magistrats présents pour cette cérémonie. Hommage à lui disparu pendant 7 ans, sous le cadence de la musique chrétienne. On embarque le corps pour le cimetière de Nécropole 1. Nécropole 2, s'il vous plaît, pour précision. Nécropole 2. Merci. Vous pouvez nous lever, s'il vous plaît. Thank you.
Oh!
Par cette citation qui nous dit ceci, je cite, si tu as été aimé, si tu as donné du bonheur ou de l'espérance, il se trouvera forcément quelqu'un au jour de ta mort pour te fermer les yeux, quelqu'un pour rassembler tes amis, organiser une veillée et t'entourer de tes souvenirs les plus chers. Fin des citations, c'est d'après notre français Jacques Attali. Eh bien, chère famille, chers parents et amis, aujourd'hui nous pleurons tous le départ pour un long voyage sans retour de Maman Djoukou Nyamosa Flore, pour qui vous avez répondu de raison à ce dernier rendez-vous avec elle. C'est l'heure de ces derniers rendez-vous, de revoir, rendez-vous au bout duquel son temps est devenu le nôtre, qu'il est des coutumes pour toute l'équipe de la métropole de présenter à vous sa famille ici réunie, ses amis et connaissances. Nos condoléances les plus attristées, tout en rappelant que Maman Fleur, notre très chère, est descendante de la lignée parentale Djoukou et Malongolo du village Mwanda, secteur de Bangoma, territoire du Kungu et le Touton, la magnifique province équatoriale du Sud-Ubangi. Elle est née le mercredi 6 septembre 1972 ou 72 ici, à Kinshasa, et voilà qu'elle s'en va ce jour dans la félicité éternelle rejoindre tous ceux qui l'ont précédé en nous quittant inopinément le dimanche 10 juillet 2022 ici même dans l'Issa Kinshasa au terme d'un parcours de vie écourté à 50 ans laissant derrière elle famille proche et proche particulièrement son veuf de mari tous éplorés et angoissés face au vide qu'elle laisse au sein de la famille. Régie des eaux était une femme de caractère, une dame respectueuse, généreuse, tolérante, accueillante. Elle était aussi une dame très intelligente. Elle prenait sans cesse la vie de prière, la crainte de l'Éternel. Elle est... Ma chère, très chère Maman Flore, ton visage, nous l'aimions, on t'y voyait en entier. Il était la fenêtre qui ouvrait sur ta lumière. Il était la porte qui nous invitait chez toi. Ton visage d'amour, le voir nous suffisait. Nous étions sûrs de ta tendresse et de l'offrande que tu faisais de toi, simplement sans rien dire, pour nous donner du bonheur chaque jour. Ton visage de souris éclairé d'une joie qui nous entraînait dans son soleil. Ton visage de tempête lorsqu'en toi, quand on peut être s'affronter le désir de te dépasser et l'envie. Mais non, il disparaît ton visage. Il échappe à nos yeux et à nous-mêmes pour s'inscrire invisible, mais présent dans nos cœurs. Ton visage de bonheur, c'est vers le ciel que désormais il sera tourné en sa présence et trouvera sa définitive beauté. Et mais non, très cher Maman Flore, c'est le silence. Tu peux enfin te reposer et connaître la paix éternelle. Au revoir, très chère Maman Flore. Mes chères familles, très chère Maman Flore, à son domicile conjugal situé au numéro 4 de l'avenue Bypass au quartier échangeur dans la commune de Lima, née après les cultes du dimanche à l'église Mission Sacerdoce Royale, toujours à Lima, où elle était fervente chrétienne et de surcroît intercesseuse, moins encore à son lieu de travail. Pourquoi nous n'aurons plus la chercher à ses différents endroits parce que tout simplement, à partir de ces jours, celle qu'on aimait bien appeler Miflo vient de changer d'adresse et de commune pour reposer désormais ici à la Nécropole Academia et cela dans les quartiers titiers, sauf sur l'allée 20 au numéro 570 ou 570 de la rue de la Félicité. Je reprends la nouvelle adresse physique de notre très cher maman. Djoukou Nyamosa Flore, qu'on aimait bien appeler Miflo, et bien cité Nécropole Academia, quartier Tixis, à l'Évin, au numéro 570 de la rue de la Félicité. Donc ici, et nulle part ailleurs, chère famille, qui vous reviendrez souvent, pas seulement dans le premier mot qui est une journée où vous êtes mort en République démocratique du Congo, revenez tous les jours de votre convenance, c'est-à-dire du lundi au dimanche même, les jours pour les visites du cours, refléter sa tombe ou sa sépulture. Condoléances.
Nous allons à présent prendre un congé de notre très chère maman Flore, tout en lui disant au revoir, mais avec des mots simples, précieux, empruntés à la langue chère à ses aïeux en Ibiza. Nous dirons tout simplement Mama Flore Njoku, Nya Molo. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons nous lever, former deux rangées derrière le corbillard pour accompagner notre très chère maman Flore Niflo à sa dernière année physique. Bon retour chez vous, chers familles, chers parents, et surtout, excellent week-end. Merci. Vous se levez, oui. Devant. Si vous avez servi fidèlement à Dieu, vous allez
dans l'éternité, ensuite auprès du Père. Si vous n'avez pas servi Dieu, il ne paraît jamais, éternellement. L'homme est éternel. Donc, Flor, toujours les lagas, sont les autres, on s'est séparés. Mais donc, au après la mort. Donc, sur la naïeté, puisque rien a changé, elle n'est même plus ici, c'est le corps. Et donc, chez nous, nous allons prier un peu, nous allons mettre cette option, c'est pour éviter toute profanation éventuelle. Mais, pour nous chrétiens, la mort, je préfère être là où je suis, puisque certainement elle est là qui a félicité. Amen. Seigneur Jésus-Christ, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je mets pour éviter toute profanation et toute cérémonie post-enterrement au nom de Jésus-Christ. Amen. Maman, je
écoute bien comment récupérer. On t'a qu'il mis son espoir. On t'a qu'il mis son espoir comme on qui n'a bien. www.autonapoto.com www.autonapoto.com